Hello à tous, je suis Charles, le brand manager de la maison horlogère Gustave et compagnie. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour vous présenter notre nouvelle sortie, ou plutôt le grand retour de notre montre automatique, la collection Jules. Alors reprenons un peu l'histoire de cette montre qu'on vous a présentée pour la première fois en décembre 2021 lors de son lancement via Kickstarter. La collection Jules, c'est une montre en édition limitée à 500 pièces gravées et numérotées. Elle possède ce look nautique qu'on aime tant chez Gustave et compagnie et lors de sa sortie, on a choisi de l'équiper du calibre Vostok 24-31. Alors ce mouvement, on l'a pas choisi par hasard, on l'a surtout choisi car c'est un véritable mouvement automatique qui tourne sur 24 heures. Ça matchait du coup à la perfection avec notre vision de l'horlogerie et surtout avec le cadran 24 heures de notre montre Jules. Et pour vous resituer un peu, cette montre on l'a proposée à 759€ TTC avec deux bracelets. Alors depuis plusieurs mois, vous avez dû le voir, on est en totale rupture de stock sur ce modèle pour la simple et bonne raison qu'avec tout ce qui s'est passé entre la Russie et l'Ukraine, il est impossible pour nous de se procurer le fameux calibre russe Vostok. Mais alors du coup, que faire face à cette situation? Je vous cache pas que c'était pas tout repos, mais après plusieurs mois de recherche, on a enfin trouvé le calibre parfait, le mouvement qui matche à la perfection avec les dimensions de notre boîtier. Et ce calibre, c'est celui-ci, le mouvement suisse ETA 2893-2. Alors faisons un peu plus ample connaissance avec ce mouvement. Ce nouveau calibre qui va équiper nos futurs Jules, il est entièrement fabriqué en Suisse. Il est à remontage automatique et il offre une réserve de marge de 42 heures, contre 31 pour notre ancien mouvement Vostok. En plus de ça, il est bien évidemment de meilleure qualité et beaucoup plus précis. Alors forcément, je vois venir derrière votre écran, pas à moi, le prix dans tout ça. Parlons-en du prix. Forcément, il va être impacté par ce changement de mouvement. On passe d'un calibre russe à un calibre suisse et c'est deux choses totalement différentes. C'est au final un mal pour un bien, car ça va nous permettre de vous proposer une montre de qualité, assemblée en France et avec un beau mouvement suisse qui a équipé les plus grands, comme notamment IWC, Breitling et j'en passe. Cette nouvelle collection Jules, elle est disponible au prix de 1190€ TTC, toujours avec deux bracelets. Et pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de la découvrir en détail, c'est une collection qui nous tenait grandement à cœur car c'est la première collection automatique de la maison et elle rend directement hommage à Jules Verne. On retrouve un beau boîtier en acier inoxydable de 40 mm de diamètre qui est disponible avec un revêtement PVD argent, or brossé ou noir. Cette Jules, c'est une montre avec un ADN nautique fort, elle est étanche à 200 mètres et elle possède un verre saphir bombé ultra résistant aux rayures, donc pas de panique pour vos baignades, vos sorties plongées et vos virées en jet ski. Afin d'apporter un peu de légèreté, on a dessiné des cornes ajourées avec une forme bien particulière qui rappelle les figures de proue qu'on peut retrouver sur certains navires. Concernant le cadran 24 heures, c'est un cadran avec une finition soleillée qui est disponible en bleu océan, en champagne et en noir. On peut pas passer à côté, sur cette montre Jules, il y a deux couronnes. Celle du bas, vissée, qui va permettre de remonter le mouvement et de faire la mise à l'heure, et celle du haut, qui va permettre de venir utiliser la lunette interne qui offre la possibilité d'avoir deux fuseaux horaires. On appelle ça plus communément la complication GMT. Pour terminer, au dos de la montre, on retrouve un fond en verre également qui offre une vue sur le mouvement en action et sur la masse oscillante qui est gravée d'un voilier et de la devise de la ville de Paris, Fluctuanec Mergitur, qui signifie « il est battu par les flots, mais ne sombre pas ». Vous retrouverez aussi différentes inscriptions comme le nom de la collection, quelques caractéristiques et surtout votre numéro de série. Voilà pour cette petite présentation de notre collection automatique Jules. Vous retrouverez toutes les informations en bas de cette vidéo. Et en attendant, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter directement par mail ou par téléphone. Je me ferai un vrai plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve très très vite pour nos futurs projets. Ciao ciao.